Il y a ceux qui aiment qu'on leur dessine un mouton, et il y a ceux qui ont envie de se démarquer du troupeau. Passionné de graphisme, Canel met son art au service du CFA de l'industrie. Ma mission, ça consiste essentiellement du coup, à refaire toutes les fiches de formation, les affiches de publicité, les encarts, les kakémonos, tout ce qui touche au domaine de la communication visuelle, en respectant la nouvelle charte graphique. Ça va faire bien sur le CV, ça. Voilà, exactement. J'espère que les entreprises penseront comme vous. Canel est en service civique, un dispositif qui s'adresse aux 16-25 ans sans condition de diplôme. Très bien, vous êtes engagé pour 8 mois. On est ravi. Ah, sensation. Voilà, bienvenue. On est bien dans un dispositif d'engagement, de volontariat, mais les institutions reconnaissent le dispositif et ça permet aussi d'avoir une indemnisation en fin de mois de 580 euros environ, une sécurité sociale, une cotisation retraite. Pas d'emploi jeune déguisé donc pour les associations établissements publics, mais une réelle opportunité pour tous. Ça me permettait de combler tout le temps que j'avais entre mes deux années d'université. Et voilà, pour moi c'est de l'expérience, c'est des rencontres, c'est un réseau et c'est du temps que je peux consacrer à une association qui me plaît. C'est un vrai échange, donc on leur apporte un peu de formation, ils nous apportent leurs connaissances assez pointues dans leur domaine, surtout de la communication. Et puis voilà, un bon coup de main pour l'association aussi, puisqu'ils sont là 25 heures. En 8 ans, 6000 jeunes de Bourgogne-Franche-Comté se sont engagés. Un premier pas dans le monde du travail pour Canel, qui nourrit d'ambitieux desseins.